moment ça, au nom de Jésus, pardonne-moi l'entrée dans le message parole, bon Dieu. Nous camper sous autorité la parole de Dieu qui dit tout ça nous marie sous la terre, il marie dans le ciel là. Tout ça nous démarre sous la terre, il démarre dans le ciel là. Avec autorité ça, au nom de Jésus. Moi, marie Satan le diable. Dit au nom de Jésus. Moi, marie Satan. Moi, marie le diable. Moi, marie le menteur. Moi, marie le séducteur. Marie le serpent ancien. Marie l'astre brillant. Marie Lucifer. Marie le menteur. Marie le voleur. Marie le destructeur. Marie l'adversaire. Marie l'ennemi. Marie l'accusateur des frères. Marie le Léviathan. Marie Apollyon. Marie Abaddon. Marie Belzébul. Moi Marie Belial. Moi Marie toute manifestation ennemie. Avec tout à quoi clio. Au nom de Jésus de Nazareth. Déclarer confusion dans le camp de Diabla Kounia. 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 Mais déclarer tout le monde qui vient là, qui va venir avec bonne intention, c'est pour convertir au nom de Jésus. Déclarer tout le monde qui vient là, qui vient sonner mon service là, au nom de Jésus, me dessouner avec la puissance du Saint-Esprit et me déclarer c'est pour Jésus la vie. Avant qu'il te sale ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous déclarer la vie à soi. Nous déclarer liberté. Dans toute caille, côté attendez nous. Dans toute caille, toute radio, côté voix nous aller. Pendant voix nous aller que la puissance de l'évangile aller. Pendant voix nous aller que liberté entre dans toute caille, ça y est. Au nom de Jésus de Nazareth. Moi déclarer pendant mes sens à prêcher. Même monde qui zombie, dans badji. Pendant mes messages, ça prêcher, c'est pour yon péter chaîne sans yon pas manger sel au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Levez mon alem, je dis ça sept fois, je dis sang de Jésus et pour après aller force ou je dis faire dégâts. Je dis ça sept fois et puis concentre-toi pendant que je dis ça parce que je dis à soi, il y a quelques bagages qui doivent faire, qui doivent défaire avant de prêcher là, doivent défaire. Défaite. M'a dit sang de Jésus. M'a dit le sang de Jésus. M'a dit fait des gars. M'a dit le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Sans drôme. Le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang 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 de Jésus. Arabacha tataye. Rebababa tata samaya. Rebababa shatatayada. Rebababa teta baba sataya. Rebababa shatayina. Limakora bababa tataya. Rebababa shitabaya. Tout âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera. Ah, contre le tabernacle de gloire, nous condamnons au nom de Jésus. Toute langue qui levait contre nous, toute langue qui a cité dans l'église, toute langue qui a cité dans le pasteur, toute langue qui a cité dans le fidèle qui l'a, toute langue qui a cité dans le leader, toute langue qui a cité dans le monde qui souchère, nous condamnons au nom de Jésus. Quel que soit côté, il nous dit confusion dans le caillou. Quel que soit côté, photo nous y est, nous déclarons le boulet au nom de Jésus. Nous déclarons 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 boulet au nom de Jésus. Levez-moi les mains, dit le sang de Jésus, dit ça encore. Fais des gars, le sang de Jésus. 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 Papa on dit fais des gars. Fais des gars. Fais des gars. Fais des gars. Fais des gars.
Son cercueil, yon cercueil yon te prépare pour vous, yon cercueil yon te prépare pour vous, famille, yon cercueil yon te prépare pour vous, si tout, yon cercueil diable a te prépare pour vous, après 40 jours ça, il t'a mangé corps, a profite fait 40 jours ça, a ploué, a adoré le Seigneur, et puis pour ta gagne de l'olanger, mais moi pendant qu'il fait des gars, moi le ciel qu'à peine, que a fait cercueil là pour vous, au nom de Jésus de Nazareth, levez-vous en l'air, le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Shataya, Rebabatakai, Rabatata Sheta, Rokobaya, Rabatakai, Rokobo Shababa, Rabatatabaye, Rebababa Shata, Rabatataya, Rabatata, Rekeme Shata, Rokota Baba, l'éternel a peine fait yon moun aveugle, la peine fait yon moun aveugle, yon moun ta mal cité à peine power, l'éternel a fait manger au bon saison, la fait manger au bon saison, mais la femme est jour bon saison pour connaître que c'est l'éternel qui est Dieu. Le même on a dit sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Sous montagne qui pi wo et li descend nan vallée qui pi fond sans ça qui ba moins force. Moi di li pa jamais puissant li monte sou montagne ki pi wo et li desan nan vale ki pi fon sans sa ki ba mwen fòs joa apre jou li pa cha jamais du plus. Oh, les montées
sous mon taille. Nan vale ki pi fò San sa ki ba mwen fòs Joa Sansa ki ba mwen fòs jou apre jou li pa chanm pèdi pwisans sèlman kwè nan Jezu 1 Roi 16:31 Waouh, qui genre? Gagne puissance. Gagne puissance. Gagne puissance. Seulement quoi? Non, Jésus. Levez-moi, dit gain délivrance, gain délivrance. Gain délivrance. Gain délivrance. Gain délivrance. Seulement quoi? Seulement quoi? Dans Jésus. Ouais. Quelle liberté, quelle liberté, quelle liberté, quelle liberté, liberté, à vous sauver. Seulement quoi? Seulement quoi? Dans Jésus, Waouh, qui j'embrasse, lui suffit. Un roi, chapitre 16, le verset 31. Après ça, nous allons lire Apocalypse, chapitre 2, versets 19 et 20. Donc tout d'abord, un roi, chapitre 16, le verset 31. En nous toutes lits ensemble. Il dit, et comme si tu étais pour lui, peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Etbaal, roi de Sidonien, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Kounia Apocalypse, chapitre 2. Verset, c'est ça, 19 et 20. En nous lit ensemble, lit qui ça? Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Verset 20. Qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Que bon Dieu bénisse verset ça pour édification d'âme chacun de nous. Comme on te promet à Soya, et pendant semaine ça, ou encore mieux, sur la demande du Seigneur, du Saint-Esprit, et j'aime te promettre à nous-mêmes tout, pendant semaine ça, nous allons parler de
Jézabel qui s'allie. La dernière fois que je t'ai parlé en détail sous question Jézabel là, c'était en 2009. Donc ça a déjà fait 10 ans depuis vraiment pas moyen sujet ça en détail. La réalité est que une semaine trop petite pour me rentrer dans tout détail sujet là, même bral essayer bon autant que possible qui capable utile. Mais pour de plus amples informations, à soi, je vais faire introduction au sujet. Mais pour plus d'informations, moi j'ai un livre qui est écrit sur lui qui est Jézabel mise à nu. Jézabel mise à nu. Il existait en français, il existait en anglais, il existait en espagnol. Et nous gagnons en créole tout et en portugais. Probablement, d'après si nous capable de joindre. Peut-être l'autre version. Je ne sais pas si faire l'autre version. Je prêt pour 4 jours de conférence. Là. Mais tout au moins en français, en anglais et en espagnol, nous gagnons. Jézabel mise à nu, Jézabel unveiled. Je suis disponible de vous. Tout le monde qui a regardé nous sur Internet, ou capable de joindre, eh bien, ou capable de joindre le livre sur YouTube, et bien sûr, sur Internet. Donc, ou même qui est sur YouTube, ou qu'à seulement aller en bas page, là, je crois, troisième lien, hein, les marqués bookstore. Vous êtes capable de cliquer sur l'île, de mettre directement sur Amazon. Et puis là, vous êtes capable de joindre le livre ça, qui est capable d'enseigner au mieux. Il y a une bagaille que nous croyons là-dedans, dans le tabernacle de gloire, c'est équiper les saints. Équiper les saints. Et je ne suis pas pasteur qui croit que tout le monde a besoin de dépendre de vous-même. Et, you know. Et ça, l'apôtre Paul dit comme ça, moins pas de cacher, enseignez-nous tout ça qui est utile. Donc n'importe bagaille que je crois qui est utile dans l'évangile là, moi enseignez-le. Alléluia. Parce que je connais bon leur bon combat pour mener. Eh bien, ou papa à 3h du matin, papa le pasteur grec, c'est ça où qu'on est hein, pour mettre le lieu dans Jésus pour gagner la victoire. Alléluia. Pas bien pasteur, pas bien famille, pas bien ami. Ça veut dire faut qu'on comment pour défendre tête ou dans l'évangile là, c'est pas ça? Alléluia. Donc on va entrer sujet à soir sujet m'ta remet faire introduction sujet à. Demain soir on a commencé à entrer dans détail, dans plus détail, mais à soir m'ta remet faire seulement faire introduction sujet à et répondre question à puisque toute semaine ça nous bral parler de Jézabel. Eh bien question c'est qui ça Jézabel là yé? Qui est Jézabel? Qui est Jézabel? Who is Jézabel? Donc là, nous allons parler de Jézabel. Qui s'allie exactement? Eh bien, c'est question ça que nous t'aimons répondre à soi. Maintenant, pour me répondre avec question, qui est Jézabel? Et m'vlebo un petit peu arrière-plan historique là. Bon, me répondre question encore ça. En réalité, m'a apporté deux éléments de réponse à cette question. Deux éléments de réponse à cette question. Qui est Jézabel? Premièrement, Jézabel, c'était un personnage historique. Donc, nous allons regarder l'aspect personnage historique là. Deuxièmement, Jézabel, c'est un démon haut placé. C'est un démon haut placé, ou bien c'est une principauté dans le royaume du diable. Donc, premièrement, c'est un personnage historique. Deuxièmement, c'est une principauté dans le royaume du diable. Donc, nous allons regarder deux aspects sérieux et puis nous allons voir comment ils sont connectés. Numéro un, on commence avec le premier élément de réponse. Premièrement, c'est un personnage historique. Jézabel, c'était un personnage historique. Et nous joignons la Bible parler de lui dans 1 Roi chapitre 16, le verset 31, verset que nous sommes liés à là. Eh bien, verset a dit, eh bien, comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille de Baal, okay, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner. Bon verset avant tout, verset 30 là. Parce que ça c'est verset 31, hein? Mais dans verset 30 là, il dit Akab, fils d'Omri, fils qui est mal
aux yeux de l'Éternel plus que tout ce qui était à ceux qui avaient été avant lui. Et puis il dit comme ça, il prie pour femme. Donc, numéro un, l'on a parlé de qui est-ce que Jézabel était. Jézabel, c'était un personnage historique, c'était la femme d'Akab. C'était la femme d'Akab. La Bible dit comme ça, c'est un homme qui était appelé Akab en Israël. Il était un roi, son père s'appelait Omri, et cet homme a régné 22 ans sur Israël. Et la Bible dit comme ça que premier bagage que Akab fait, rebam verset 30 là encore, on va remarquer premier bagage Akab fait, il dit Akab fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel avant que plus que tout le monde qui était avant lui. Et puis verset 21, retournez encore verset 31, il dit comme ça, comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam. Donc en un premier campé là, la Bible dit comme ça, Jézabel c'était mal Akab. Et Akab, qui ça l'était fait, l'était livré au péché de Jéroboam. Donc, ça posait la question. Le la Bible dit comme ça, Akab t'est livré au péché de Jéroboam. Jéroboam, qu'est-ce que ça veut dire? Qui était Jéroboam? Et quels étaient ses péchés? Et que Akab t'est qu'on marchait là-dedans. Lorsque bon Dieu t'est metté Salomon à la royauté, eh bien, Salomon, l'Éternel te dit comme ça, il y a différents bagages. Quand Jean te dit, yon roi te supposé comporter. Parmi ça, il te dit, yon roi pas ta supposé faire, yon roi pas ta supposé multiplier madame. Et nous connaissons toute l'histoire là. Eh bien, Salomon, eh bien, monsieur multiplier madame, il te gagne 700 madame plus 300 concubines, etc. À peu près 1000 filles. Et puis la Bible dit comme ça que ces femmes, eh bien, yo éloigné que Salomon de l'Éternel des armées, n'a point que Salomon tombé dans l'idolâtrie. L'œil tombé dans l'idolâtrie, l'Éternel dit Salomon, ou commettre l'idolâtrie, il dit qu'on s'en t'a dû rejeter de la royauté, m'a dû frapper de mort, rejeter de la royauté, retirer du trône. Mais il dit qu'on s'en t'a fait une promesse à papa ou David. Papa ou David, t'es présenté une offrande à moi-même. Et moi, j'étais tellement content. L'œil t'est présenté, m'a dit, m'a choisi l'igné pour chita sous trône moi. Et m'a dit comme ça que s'il péchait contre moi, eh bien, m'a frappé avec la verge d'homme. Même pas jamais rejeté loin de ma face. Donc, malgré ou qu'il y a 700 madames plus 300 girlfriends, tout ça m'a dit, pas le faire. Et puis, qu'on est tombé dans l'idolâtrie à cause de promesses que m'a fait papa ou là. M'pap chavirer au tête en bas sous trône. Donc il dit m'a quitté ou fin fait temps régner, mais l'heure va faire petit tout, eh bien m'a va diviser royaume non parce que ou pas t'attendre. Eh bien après la mort de Salomon, eh bien Salomon t'a gagné un homme que yo t'a relé il t'a gagné petite que t'a relé Roboam. Eh bien le Roboam kounia monté au trône. Gon élément qui était dans l'armée, etc., qui est le Jéroboam lui-même, t'es un Roboam qui était le fils de Salomon, Jéroboam lui-même qui était un officiel dans le palais, eh bien, campé, eh bien, il campé contre Roboam, et puis il divisait les 12 tribus. Même Jean, ouais, eh bien, pays d'Haïti, il fut un temps, t'es une seule île, et puis avec le temps, il vint diviser entre l'ouest et l'est. Entre l'Est et l'Ouest, qu'on y a le Vinbanou, Haïti et République Dominicaine, c'est qu'on s'attend Israël, il fut un temps, c'était un seul pays. Et puis, avec le temps, il vient diviser, excepté pas diviser entre l'Est et l'Ouest, il vient diviser entre le Nord et le Sud. Donc, il vient gagner 10 royaumes au Nord, que il était le royaume du Nord, et puis, où il a gagné 2 royaumes en bas, il était le royaume du Sud. Donc, 10 royaumes au Nord, il était Israël, en bas, il était le Juda. Eh bien, c'est comme ça, eh bien, leur division a vint faite, vint gagner 2 rois, vint gagner le roi Jéroboam, eh bien, qui a dirigé les 10 tribus au nord, et puis, vous gagnez Roboam, le fils de Salomon, qui a régné dans le sud. Maintenant, le fils de Salomon a régné dans le sud. Dans le sud, eh bien, c'est là que Jérusalem t'est, c'est la temple de l'Éternel là t'est. Donc, Roboam lui-même qui au nord, il remarquait que tout juif
a sorti dans 12 tribus et puis il a descendu dans le sud à Jérusalem pour y adorer. Et puis monsieur dit comme ça, moi déjà fin diviser royaume non, qu'il y a moins au nord et puis tout le monde ça va descendre à Jérusalem pour y adorer. Et bien gon jour yo bralé et bien n'a appelé de descendre pour y adorer et bien cœur yo bral suivre Roboam le fils de Salomon et puis il a vinn désolé il a vinn déloyal à moi-même et puis m'a perdu royaume non. Donc il dit comme ça, mais qui ça me bral fait? Mais qui ça me va faire pour me résoudre le problème non? La Bible dit que ça dans une montagne que le gagne tout. Puisque Jérusalem gagne montagne parle, il dit moi-même gagne montagne pas tout. Et bien la Bible dit que ça monsieur allez et puis dans montagne il fait deux veaux d'or. Il fait deux veaux d'or et puis il mettait une à Dan, une à Bethel, on côté que les Bethel, yon l'autre côté que les Dan et puis il mettait deux veaux d'or ça yo et puis il dit Israël, ce n'est plus la peine d'aller à Jérusalem pour adorer Dieu. M'bord deux veaux d'or. Mais bon Dieu que t'es fait sortir en Égypte, mais bon Dieu pour servir, mais bon Dieu pour marcher là-dedans. Et dès lors, Israël tombé dans l'idolâtrie. Israël tombé dans l'idolâtrie. Donc lorsque auteur l'a dit là, que Akab, eh bien, il a marché dans les voies. Eh bien, de Jéroboam, ça veut dire Akab, eh bien, c'est Youn qui était tombé dans l'idolâtrie, même Jean avec Jéroboam. Il était tombé dans l'idolâtrie, même Jean avec Papal, eh bien, Omri était dans l'idolâtrie. Mais, malgré monsieur était dans l'idolâtrie, Papal était dans l'idolâtrie, Jéroboam était dans l'idolâtrie, la Bible dit comme ça, que bien que Omri, le père d'Akab, était idolâtre, Jéroboam était idolâtre. Mais il dit Akab lui-même, gon dernier bagaille que le fait, qui fait le pire raide, parce que tout le monde a eu. Il était pire raide parce que Papa Omri, il était pire raide parce que Jéroboam, qui était divisé le royaume, et puis qui était fait deux veaux d'or. Il dit comme si c'était peu de choses pour lui, pour te déjà faire idolâtrie, même Jean avec Jéroboam, il gardait le ça passe pour lui. Il dit ouais ça passe sous lui l'aller et puis là il cherchait une femme que yo gelé Jézabel fille de Et-Baal roi des Sidoniens et puis il vient mettre le chita sur le trône d'Israël. Pour qui ça auteur l'a dit comme ça que monsieur était pire parce que tout l'autre roi auparavant yo ça il était gagné qui Jézabel là qui est-ce que il était exactement. La Bible dit Jézabel, c'était le fils de Et-Baal. Et-Baal, c'était roi d'un pays que relait Tyr et Sidon. Jodi à Tyr et Sidon, yo correspondent avec le Liban. Eh bien, nous comptons par exemple les Libanais, etc. Eh bien, Tyr et Sidon, à peu près au nord d'Israël. Eh bien, c'est là, Tyr et Sidon, c'est zone côté où est Liban. Et la Bible dit comme ça, zone ça, te gagne un roi. Qui était relé Et-Baal. Et-Baal, qui est-ce que monsieur était? Et-Baal, qui était roi de Sidon et de Tyr et Sidon, ou bien roi du Liban, etc. Eh bien, qui est-ce monsieur était? Monsieur Seyoun qui était gagné avant, ce n'est pas monsieur qui était roi. Il était gagné un frère qui était roi, qui était relé Félès. Ok, Félès était roi. Eh bien, monsieur, alors avant de dire Félès était roi, je vais retourner pour me dire Et-Baal, ça qui est-ce que le était? Gagnons historien. Du 1er siècle, contemporain de Jésus, qui était appelé Flavius Joseph, c'est un historien juif. Flavius Joseph, il fait nous connaître que Et-Baal, que la Bible mentionnait là, c'était un prêtre d'Astarté. En d'autres termes, Et-Baal, c'était un ongan. Lors d'un prêtre d'Astarté, c'est ça que je voulais dire. Dans le langage haïtien, c'est un ongan. Il était un ongan, et puis loi était qu'on servit avec là. Li ton ongan, ton prêtre, mais loal te conservi avec la, te relé Astarté. Donc, cela veut dire, Et-Baal, papa Jézabel, c'était un ongan, et puis te conservi avec un esprit astral, que yon relé Astarté. Li te conservi avec esprit astral ça. Eh bien, monsieur, li te gen yon frère qui te relé Félès, eh bien, frère la te roi de Siban, du Liban, eh bien, monsieur Baye Frel là, yon coup d'état, li touye, et puis il prend place Frel là.
Eh bien, c'est comme ça, le Jézabel a levé, l'y levé dans un palais royal au Liban, mais l'y levé comme petite yon on gan en dans yon palais. Est-ce que l'église comprend ça m'a dit là? Maintenant, c'est ça que fait la Bible, le bral parler plus tard. Libral dit comme ça que un élément ça lui-même, il fait plus mal que tout l'autre roi qui était en Israël parce que l'autre roi yo était en Israël, yo était en Israël, yo était qu'on adorait faux dieu. Mais monsieur vini là il prend Jézabel, petit yon ongan. Et Jézabel pour contre lui, non seulement te petit yon ongan, mais Jézabel pour contre lui, te yon gros mambo, parce que la Bible dit comme ça que dans 1 Roi chapitre 18 verset 19 que mamzelle à la table de Jézabel, à la table de Jézabel où te gagné tous les prophètes 450 prophète d'Astarté et de Baal. Prophète d'Astarté, ça veut dire prêtre d'Astarté. Ça veut dire serviteur d'Astarté. Moun ka parlé dans nom Astarté. Donc, mamzelle Jézabel, tout le monde sa yo qui prêtre d'Astarté de Baal, et puis c'est mamzelle qui a présidé sous tout. Ça veut dire mamzelle son gros coquin chêne, mambo que le dit. Donc, pour Akab, fait en Israël, côté y a adoré bon Dieu, y a loué bon Dieu, pour Akab sorti dans la lignée Abraham, pour Akab sorti dans la lignée Moïse, pour Akab sorti dans la lignée des 10 commandements, côté l'Éternel a dit, tu n'auras point de Dieu devant ma face, pour Akab sorti dans la lignée Bethel, côté la gloire de Dieu te paraît avec Jacob, elle dit, ou avare les places à Bethel. Elle, la maison de Dieu, et puis pour Akab sorti dans la lignée ça, et puis l'Elvinois, pour joindre moyen, non seulement l'entrée dans l'idolâtrie, mais après l'entrée dans l'idolâtrie, va les belles mesdames qui gagnent Israël, va les belles mesdames qui ont servi bon Dieu, va les belles mesdames qui connaissent la loi, va les belles mesdames qui remplissent du Saint-Esprit, va les belles mesdames qui craignent bon Dieu, pour joindre moyen, quitter toutes ces mesdames en Israël, là, de yon, non pays païen. Et puis il prend un gros coquin chaîne mambo et puis il mettait sous trône Israël comme reine sous pays. Il dit non tout le monde qui te fait bagarre qui mal pas que ta couaka. Pour joindre moyen quitter tout le monde qui est en Israël et puis là il cherche un gros coquin chaîne mambo qui a 450 prophètes de Baal, 450 prêtres en balle, prêt païen en balle, prêt d'Astarté en balle. Et puis pour lui mettre le chita sous trône d'Israël. La Bible dit c'est lui-même qui fait bagaille, qui pis mal dans tout le monde. Kounia, les Jézabel vin chita sur le trône d'Israël. Esprit te qu'on a servi à, Dieu te qu'on a servi à, divinité te qu'on a servi à, li commence à faire campagne pour lui. Le l'entrée dans le palais d'Israël, le l'entrée dans le palais à Kabla, le l'entrée dans la place d'Israël, ça, qu'on y a cherché chaque, on nous dit comme ça, chaque soir, son cérémonie mystique, chaque soir c'est magie, chaque soir c'est danse, chaque soir c'est cérémonie pour esprit Astarté. N'en fait message à Mabdou, ça qu'esprit Astarté. Chaque soir c'est danse pour Astarté. Chaque soir, c'est manger pour Astarté. Chaque soir, c'est cérémonie pour Astarté. 450 prophètes de Baal a fait cérémonie en palais à chaque soir. Et non seulement a fait cérémonie en palais, il y en a toute poste clé. Il y a toute position d'influence. Il y en a toute zone. Quand il y a commencé à étendre pour prendre contrôle du pays totalement. Et il y a tellement pris contrôle Israël. Il y a tellement pris contrôle Israël. Que la Bible dit comme ça que Moïse et que Élie, yon qui était contemporain de Jézabel, la Bible dit qu'on côté rivé, la couru devant Jézabel, parce que Jézabel son esprit intimidant, sous pas contre qui est souillé, ou qu'a paniqué devant. Donc, Élie commençait à le courir devant Jézabel. Le là le courir, il a le caché dans la cave. L'Éternel dit soit fait. Il dit je suis resté le seul des prophètes en Israël. Et l'Éternel dit non, ou pas le seul des prophètes. L'Éternel dit comme ça, j'ai 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi le genou devant Baal.
Il y a 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi le genou. Maintenant, à certains égards, c'était une bonne nouvelle pour Élie. Le Élie campait, ouais, c'est pas lui même seulement qui a servi bon Dieu. Même s'il pas ouais, l'autre monde qui a servi bon Dieu, mais il y a 7000 hommes qui pas jamais adorer Baal, qui pas jamais fléchir genou, qui pas jamais faire cérémonie pour Baal, qui pas jamais, vous comprenez moi, et jeter manger pour Baal, ça c'est une bonne nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que n'entend ça, historien yo fait nous connaître que la population d'Israël c'était à peu près 10 millions. La population d'Israël c'était à peu près 10 millions, un petit peu la population d'Haïti. Donc n'entend ça, c'était une population d'à peu près 10 millions. Donc comparativement avec Moïse, Élie pensait c'est lui même seulement qui était arrêté. C'était bonne nouvelle. Mais l'on prend comparativement à la population globale, dans 10 millions de monde, pour l'Éternel dit, c'est seulement 7 000 qui n'ont jamais fléchi le genou devant Baal. Ou qu'à imaginer qui campagne idolâtrie Jézabel fait dans le pays. Il fait tout le monde qui était mon Dieu. Il fait tout le monde virer de bail, mon Dieu. Il fait tout le monde suspendre les Bibles. Il fait tout le monde suspendre prier l'Éternel. Il fait tout le monde suspendre. Donc, il a influencé plus de 9 millions, 900 et quelques mille, etc. Dans tous 10 millions, seulement 10 000. Seulement 7 000. Dans 10 millions, 7 000 qui parlent de Chijon. Et ça fait la Bible dit dans tout le monde qui fait bagalette. Il dit dans tout le monde qui fait bagalette. Il dit pas qu'il y a un quoi cap. Il dit pas qu'il y a un quoi cap. Pour Akab, by l'Éternel, Koussa. Il n'y a pas de personne qui fait plus mal que Akab en Israël. Ça, c'est un petit peu Jézabel, le personnage historique. Jézabel, ça a causé un paquet de problèmes en Israël. Mais finalement, nous connaissons que l'Éternel vient lever un prophète qui relève Jéhu, un homme qui relève Jéhu. Et la Bible dit que ça, c'était Jéhu qui t'a tué Jézabel. Le Jézabel fin fait tuer Naboth. Et l'Éternel t'a une prophétie qui t'a prononcé sur la ville. Même j'en tué monsieur. C'est comme ça, ou même tout, ou bien pour tomber. Même j'en versé sans monsieur, sans ou bien pour verser. Et chien, ou bien pour boire sans. Et puis, comme la parole de Dieu a été dit, la Bible dit le Jéhu a vint d'elle. Et puis l'on fenêtre l'a regardé et puis il poussé dans la fenêtre là et puis il tombé et puis sans le gaille et puis la Bible dit chien boit sans Jézabel. Ça c'est Jézabel le personnage historique qui t'est existé à peu près 800 ans avant Jésus-Christ. À peu près 800 ans avant Jésus-Christ, ça c'est le personnage historique. Maintenant, personnage historique, moi je parle de l'Iala, dans 1 Roi chapitre 16, verset 31, dans 2 Roi chapitre 2, verset 33, la Bible montre que personnage historique ça mourit. Dans 2 Roi chapitre 2, verset 33, il mourit. Donc, personnage historique ça, il a poussé, sans le couler, chambre sans, etc., etc. 800 ans avant Jésus, ce personnage historique, il mourit. Cependant, à peu près 100 ans après Jésus, 100 ans après Jésus, l'apôtre Jean dans une vision, et puis le Seigneur Jésus baille, le Père baille Jésus en révélation, Jésus baille révélation à Angelin, Angelin baille révélation à l'apôtre Jean. Et puis Jésus t'a parlé avec l'église de Thyatire, à peu près 100 ans de l'ère chrétienne. Ça veut dire entre le Jézabel mouria, le personnage historique, et l'apôtre Jean a écrit et Apocalypse de Jean qui a à peu près 100 ans de l'ère chrétienne, gain 900 ans d'écart. 900 ans plus tard, après personnage historique là fin mourir, Jésus a parlé à l'église de Thyatire. Regardez Apocalypse chapitre 2, verset 18 à 20.
l'a parlé avec l'église de Thyatire. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Ok, il dit, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme les flammes de feu. Il dit, les pieds semblables à de l'airain ardent. Ok, Apocalypse chapitre 2, ok, verset 19. Il dit, je connais tes œuvres. Et puis il dit, ton amour. Il dit, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes œuvres plus nombreuses que les premières. Et puis il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Comment se fait-il 900 ans après personnage-là fin mouri et puis Jésus a parlé avec l'église de Thyatire? Il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta fidèle service, ta constance, etc. Mais il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Comment faire 900 ans plus tard, 900 ans après Jézabel fin mourir, Jésus a dit comme ça, Jézabel est encore à l'église de Thyatire. L'a séduit moun, l'a fait idolâtrie, l'a prophétisé. Ce que Jésus pas t'a parlé de yon moun, il t'a parlé de yon esprit. Est-ce que l'église commence à m'a dire là? Il n'y a pas de parler de monde. L'heure dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu l'as fait. La femme Jézabel, là, n'est pas une personne. La femme Jézabel, c'est un esprit. Ça veut dire, quel que soit esprit qui sous monde ça, dans l'église là, quel que soit esprit qui a opéré dans l'église de Thyatire là, c'était même esprit ça qui était sous Jézabel 900 ans avant. Et c'est ça qui fait mêler l'esprit de Jézabel. Est-ce que l'église commence à m'en dire, hein? Quel que soit l'esprit que tu as opéré dans l'église de Thyatire, c'est même esprit ça que tu as opéré sous Jézabel. Et c'est ça qui fait mêler l'esprit à Jézabel. Gédoua, ce n'est pas nécessairement non sale, mais c'est une métaphore. C'est même Jean, ou Gadoué, le Jean vini. La Bible dit comme ça. La Bible dit Jean-Baptiste marchera dans l'esprit et la puissance d'Élie. Jean-Baptiste marchera dans l'esprit d'Élie. Ça veut dire l'esprit d'Élie. C'est pas, ça veut dire réincarnation. Ça veut dire, leur dit Jean-Baptiste a marché dans l'esprit d'Élie, ça veut dire même onction qui était sous la vie Élie, c'est même onction ça qui est sous la vie Jean-Baptiste. Est-ce que l'église entend dire, hein? Donc, sous songer, Jean-Baptiste avec Élie, ils ont mangé même gens, ils ont parlé même gens, ils ont habillé même gens, ils ont été dans le désert même gens. Même onction du Saint-Esprit qui était sous la vie Jean-Baptiste, Élie, il était reposé sous la vie Jean-Baptiste. Donc, dans Luc chapitre 1er, il dit comme ça, il marchait dans l'esprit d'Élie. Ça fait ça parce que c'est même onction. C'est même gens, tout quel que soit le monde qui t'a opéré dans l'église de Thyatire, là, quel que soit l'esprit que tu es sous le monde, ça, c'est même esprit là, qui était sous Jézabel. Est-ce que nous avons, hein? Maintenant, qui esprit que tu es sous Jézabel? Nous t'ai déjà dit, oui, déjà. Esprit que tu es sous Jézabel, c'est un esprit que tu es relé, dans le pays par mamzelle, que tu es relé Astarté. Donc, sous besoin qu'on ait, sac esprit Jézabel là, c'est pour nous faire un petit retour, pour nous joindre qui ça Astarté a, qui esprit le teye. Parce que l'Ancien Testament parlait de lui en pile. Qui ça Astarté a teye, qui esprit le teye. Donc, pour nous capable comprendre Jézabel là, il faut me répondre à question ça. Pour nous capable répondre à question ça, m'a obligé de faire un petit peu d'histoire avec vous. Rapidement, comme moi, je vous ma bonne introduction à soi pour capable comprendre le message que je vais prêcher pendant la semaine. L'histoire de Jézabel, de l'esprit de Jézabel, maintenant, pas le personnage historique Jézabel, l'esprit Jézabel. Histoire de l'esprit Jézabel, là, il commençait depuis dans le livre de la Genèse avec un homme que vous avez appelé Nimrod. Genèse chapitre 10. Le verset 9, la Bible dit qu'un homme que yotérele Nimrod, il fut un vaillant chasseur
devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit de Nimrod, go back to the verse, c'est pourquoi l'on dit de Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Nimrod, ça, next verse, t'es fondé plusieurs villes, parmi lesquelles l'y fondé Babel, qui connu comme Babylone Jodia, zone Irak, Erek, Akkad, Kaldé, dans le pays de Chinéa. Donc Nimrod, ça t'est fondé plusieurs villes, parmi lesquelles Babylone. Donc, yon na premier, get that for me, please. You can get this. Yon na premier bagay, que n'gade le fondé là, Nimrod, c'était lui-même qui t'est fondé, eh bien, yon ville, eh bien, que yon te relé Babylone. Yon te fondé, monsieur te fondé ville ça, qui relé Babylone. Le monsieur fin fondé ville là qui Babylone. Donc, bamboué prenne, oui. Premier personnage historique, esprit ça servi avec dans l'histoire, et que nous avons trace historique, c'est une femme qui a laissé Semiramis au temps de Nimrod. Donc, la Bible parlait de Nimrod. L'histoire racontait que Nimrod, la Bible dit nous qu'elle était fondée plusieurs villes. Mais l'histoire racontez-nous en bagaille, racontez-nous de Semiramis. Nous pas la Bible pas mentionné, mais l'histoire dans l'Antiquité mentionnée. Donc ma bonne on révisait rapidement. L'histoire rapportait que Nimrod après le fin fondé Babylone, l'Italie dans la deuxième ville que le bal fondé par après qui est Erek. L'aller à Erek, l'y joigne une belle dame que le tombé d'amour. Excepté, dame n'a pas un seul problème. Mamzelle, c'était une prostituée. Et non seulement elle était une prostituée, mais mamzelle t'a géré un bordel. Cela veut dire t'a géré une maison de prostitution. Nimrod, pendant que le roi en Babylone, lui entrait à Erek. Lui remet avec dame, lui prend dame, et puis l'entrée avec elle, lui marié avec elle. Mais le l'entrée en Babylone avec Semiramis. Semiramis, li connaît que moun Babylone yo pas d'accord pour yon roi vini pour le prendre yon prostituée et puis pour la mettre le chita sur yon trône. Donc Nimrod le retourner à Babylone au lieu le dit moun yo c'est une prostituée, li dit yo c'est une vierge sortie de la mer. Li dit c'est une vierge sortie de la mer. Et pendant que ma raconte une histoire là, où elle commence à avoir un pile similitude, similarité avec un pile bagaille que vous notez un peu à travers le monde. Donc, il dit c'est une vierge sortie de la mer. Donc, Semiramis entre dans la palais. Mais, où connaît que, et comment vous dites ça, hein? Et c'est comme vous dites, et tel bagaille qui a oublié, Zoutil, même quand j'étais Zoutil. C'est qui ça? Lui, quand j'étais Zoutil, même pas. Il va oublier métier. Donc Semiramis, j'ai tes outils, il n'est pas dans le bordel là encore, mais il va oublier métier. Donc leur entrée dans le palais en Babylone, il continue à coucher avec différents mouns dans le palais. Il vient enceinte. Leur vient enceinte, Nimrod vient joindre que mamzelle enceinte dans le palais. Nimrod fâché. Menacé pour exposer mamzelle, pour le faire tout le monde connaître que le pas de jambes yon vient sorti de la mer, c'est une prostituée que le etc. Même monsieur te fait une seule erreur. Erreur que le fait, c'est que l'ité by Semiramis, responsable, tous les prêtres te gagnent une religion de mystère, que yon te connu en forme de religion mystique, etc. Que yon te gagnent. Et l'ité Semiramis, t'es responsable tous les prêtres de la religion, tous les prêtres de la religion en Babylone, eh bien, t'es tombé en bas autorité Semiramis. Eh bien, chaque année, lorsque année Abraham finit, eh bien, y'a t'es une coutume, côté y'a touillé, y'a bête, tout vivant, et puis y'a mangé, qui représentait l'année qui passait. Eh bien, cette année-là, en décembre,
au lieu que yo sacrifié yon bête, Semiramis qui était la prêtresse qui était gouverné la religion de Babylone, et bien lui mandé au lieu sacrifier yon bête pour yo sacrifier Nimrod de préférence. Donc c'est comme ça Nimrod a été sacrifié, le roi a été sacrifié, Nimrod a été sacrifié. Maintenant, là yo fin sacrifier monsieur, c'était coutume yo, même j'en ai coutume dans plusieurs pays pour yo vénérer yon moun qui mourit comme yon dieu. Donc après la mort de Nimrod, yo continué à vénérer comme yon dieu, même j'en ai coutume ça existe dans plusieurs pays jusqu'à présent. Maintenant, là yo fin tuer Nimrod, yo continué à vénérer comme dieu. Mamzelle te gagné petite Lia qui était dans ventre li. Petite Lia qui était dans ventre li a que elle était enceinte là. L'elle fait petite là, kounya mamzelle fait tout moun connaît que petite là que le bail naissance avec là, c'est la réincarnation de Nimrod qui est mort. Donc puisque c'est la réincarnation de Nimrod. Suivez-moi bien, on va l'avoir. Et demain soir, m'a raconte une histoire ça, demain soir vous allez comprendre bien d'état m'abdou. Puisque c'est la réincarnation de Nimrod et Nimrod est vénéré comme dieu, mais qu'on y a li à peine by naissance à la réincarnation de Nimrod, donc elle est la mère de Dieu. Soudainement, elle est la mère de Dieu et si petite qui sous bras là vignon Dieu. Est-ce que l'église commence à me dire là? Ma faut comprendre en série de bagages, donc il y a quelques photos à regarder ou penser c'est Marie avec Jésus qui pas gagné pour louer avec. Donc kounya livin et puisque elle est la mère et de Dieu, donc kounya ou pas carré elle n'importe gens encore. Donc li pas seulement la reine de Babylone, mais puisque maintenant li ba naissance à un dieu, li pas seulement la reine de Babylone, mais elle est également, pas seulement la reine de Babylone, elle est également la reine du ciel. Parce que le bain naissance a un Dieu. Donc, c'est comme ça, petite l'a grandi, que le te dit qu'il a réincarné de Nimrod. Petite l'a continué à grandir, mais pendant petite l'a piti, c'est qu'on y a plus que petite l'a piti, c'est lui-même qui régnait comme reine sur Babylone. N'est-ce pas? Il régnait comme reine sur Babylone. Lorsque petite l'a vint en âge qu'on y a, et bien, petite que le gagne, li vin en âge, que yotere le Tamuz avec le temps. Lorsque petite li a vin grand kounya, même j'en te fait coup d'état, li te touye Nimrod là, li te vle touye propre petite pas. Et puis kounya, petite la levé contre li, au lieu de tuer petite là, c'est petite là qui touye. Donc Semiramis mourit à l'âge de 102 ans. 102 ans, propre petite li touye. Mais puisque en Babylone, j'aime d'abdou là, yote gen coutume adoré, eh bien, moun qui mourit comme des dieux, le Semiramis fin mourit comme c'était reine de Babylone, reine du ciel, mère de Dieu, yo commencé adorer comme ça, tout côté en Babylone. Samjou la la, histoire mounjou la la, passé nan à peu près époque, Genèse chapitre 10. Nan Genèse chapitre 11, gon phénomène qui bral passé. La Bible dit qu'on sa gon kote yo bral rive, yo pren yo bati yon tou, les hommes bati yon tou. Et puis yo dit qu'on sa bâtissons nous une tour, afin que nous ne soyons pas dispersés à la surface de la terre. Et puis, ils ont bâti un tour pour y l'adorer. La Bible dit, l'Éternel descend, dit, garde l'ouest à l'homme a fait. Il dit, si je quitte le faire, si je quitte le continuer, ils parlent la même langue, ils ont la même intention, ils veulent faire même bagaille, il dit qu'on ne sait pas rien qui a bloqué. Il dit, on nous descend et on nous confond. La Bible dit, il descend, il confond le langage. Le l'Éternel confond langage yo, il dans un premier temps, depuis Adam
rive jusqu'à la tour de Babel, tout le monde sous la tête et parlons seule langue. Le l'Éternel descend dans la tour de Babel, il confond soudainement les différentes langues paraissent. Puisque l'une pas comprendre l'autre, tout le monde a cherché qui langue moins comprendre. Donc, quelle que soit la langue que vous comprenez, vous regroupez ensemble. Ça, c'est la formation des nations de la terre. C'est comme ça la Bible dit, les nations de la terre formées. Tout le monde allait, la langue que vous comprenez, vous regroupez. Et puis, là, vous regroupez, vous ça qui comprend chinois, yo regroupe yo, yo font direction. Ça qui comprend arabe, yo regroupe yo, yo font direction. Ça qui comprend hébreu, yo regroupe yo, yo font direction. Chaque monde vini font direction. Maintenant, est-ce que l'église avait jusqu'à présent? Ça va jusqu'à présent? OK. Chaque monde font direction. Maintenant, étant donné que en Babylone yo te kon adoré, yo te gen sa yo te rele le culte de la mère et l'enfant. Donc premier bagay, l'on gade ou est gon statue et pour gade ou est gon madame, ou est gon madame, ou est gon fille qui semblait avec yon vierge. Et puis le gon couronne sous tête li. Et puis le gon ti bébé nan bras. Et puis yo tout ça c'est Marie. La mère de la Marie, la mère de Jésus. Et puis c'est Jésus qui est sous bras. Bagay ça, li pas connecté, li pas sorti de la Bible d'ailleurs. D'ailleurs, comment fait dire c'est Marie, la mère de Jésus, à couronne sous tête li? Est-ce que la Bible j'aime présenter Marie, la mère de Jésus, comme reine? Est-ce que la Bible j'aime? Lis tout le Nouveau Testament depuis le commencement jusqu'à la fin. Gardez pour vous, est-ce que Marie j'aime présenter reine? La Marie dit dans Luc, je suis une humble servante du Seigneur. Lire les Jésus, son Seigneur, lui présente tel comme mon servante. Donc cela veut dire, femme, ou regarde ou est avec un petit bébé sous bras, et puis ou regarde ou est une couronne dans la tête là, que y aurait la mère du, la mère, y aurait la mère de Dieu, ou bien y aurait la reine du ciel. Lui pas gagné pour louer avec Jésus. Là on va chercher histoire. Lui femme non, lire les Sémiramis, petit bébé sous bras là, lire les Tamus. Kounia, c'est ça y aurait le culte de la mère et l'enfant. Kounia le moun sa yo absorti en Babylone. Ça qui allait en Chine. Ça qui allait en Arabie. Ça qui allait en Inde. Ça qui allait en Égypte. Ça qui allait au Liban. Tout les yo dispersé, yo dispersé avec le culte de la mère et l'enfant. C'est ça qui fait dans tout pays dans le monde, dans tout pays qui existait sous la terre. Même là, l'évangile porte pas de jambes prêcher, yo pas de jambes tendre, histoire Marie, histoire Jésus, histoire le missionnaire chrétien rivé dans pays ça yo. Yo gardé yo wè le culte de la mère et l'enfant existait déjà. Est-ce que les gens commencent à m'en dire là? Même dans pays qui pas jambes gen accès à Bible. Même dans un pays qui n'a jamais accès à christianisme, même dans un pays qui n'a jamais accès pour y attendre parler de Marie, attendre parler de Jésus, le missionnaire allait avec Bible pour y aller prêcher l'évangile, il rejoint le culte de la mère et l'enfant, t'es déjà là, déjà. Ça veut dire, il n'a pas gagné pour louer avec ça, ça moun abdoulié, son bagage. Là, il y a en Chine, yo, elle était déjà là, déjà. Là, il y a en Inde, yo, elle était déjà là, déjà. Là, il y a en différents pays, yo, elle était déjà là, déjà. Donc, il n'y a pas demain soir, ma explique qui l'un, yo, vient décider d'associer avec Marie. Mais c'est très tard dans l'histoire, à peu près 323, etc., yo, vient associer avec Marie. Mais c'est le culte de la mère et l'enfant qui représentait une divinité, Babylone. Maintenant, suivez bien, oui. Les différentes nations, ça y est, dispersées. Ça qui allait en Chine, allait avec le culte de la mère et l'enfant. Ça qui allait en Inde, y portait avec le culte de la mère et l'enfant. Ça qui allait en Égypte, y allait avec le culte de la mère et l'enfant. Eh bien, tout côté dans le monde, y partit avec idolâtrie. Donc, puisque moun sa yo kounya parle différentes langues, esprit ça
Esprit ça, dans ce premier temps, qui t'a servi avec Sémiramis et qui vient représenter plus tard par Sémiramis, eh bien, qu'on y a esprit ça, dans différentes, puisque différents moun parti avec, Livin gagne différents noms. Livin gagne différents noms à travers le monde. Dans différentes cultures, Livin gagne différents noms. Mais c'est même esprit. Donc, par exemple, le yo dispersé, par exemple, moun qui allait en Chine, esprit ça, moun qui allait en Chine, yo vin relel Chigmou. Moun qui allait en Égypte, yo vin relel Isis. Moun qui prend direction Inde, yo vin relel Devaki. Moun qui allait en Asie mineure, yo relel Sibel. Moun qui allait en Grèce, c'est même esprit, il y a différents noms. Moun qui allait en Grèce, yo vin relel Aphrodite. Moun qui allait en Éphèse, yo vin relel la Diane d'Éphèse. Est-ce que y a moun qui t'a parlé ça dans la Bible? Là aller en Éphèse, aller adorer en Éphèse, yo relel la Diane d'Éphèse. L'apôtre Paul t'est confronté esprit ça, l'elle t'a en Éphèse. Moun qui allait en Phénicie, yo en Phénicie, yo vin relel Astarté. Mais c'est même esprit qui sorti en Babylone, non? Qui est l'Isis, qui est le Deba, qui est l'Ishtar, qui est le Sibel, qui est l'Aphrodite là. C'est même esprit qui vient de l'Astarté qui était sous Jézabel là, ou bien qui était dans la tête de Jézabel là. Est-ce que l'Église avait même? En Phénicie, il vient de nous ça. Ça qui allait à Rome, yo même, yo vient de l'El Vénus. Kounia, et puis il y a des gens qui convertissent autant de l'Abdou comme ça. Vénus, mon ami, étoile de la nuit, je vous en prie. Envoyez-moi l'amour dont j'ai rêvé. Et puis, mon n'a pas connu pas de la dit Vénus, mon ami. Hein? La invoquer, son invocation l'a fait à travers champ. Son esprit l'a brûlé. Mon qui est à Rome, il vient de le nom de Vénus. Maintenant, mon qui te prend direction Afrique, mon qui prend direction Afrique, en Afrique, il vient de quatre noms. En Afrique de l'Ouest, il vient de quatre noms. Il vient de nom Maniwata, Oshun, Jemanja, Ezuli. Esprit a vingé quatre noms. En Afrique de l'Ouest, il vingé quatre noms. Maniwata, Oshun, Jemanja, Ezuli. Maintenant, Africains qui étaient en Afrique, continuaient à reler Maniwata jusqu'à présent. Yore le Maniwata. Mais, avec ça, yore le la traite des Noirs, le yavon esclaves al travail en Amérique, ge différents esclaves qui sorti en Afrique, qui vin tomber en Amérique. Donc, koun y a esclaves noirs qui sorti en Afrique, sacré en Afrique, kembe le nom Maniwata. Esclaves noirs qui sorti en Afrique, qui tombe Cuba. Relel Oshun. Donc jusqu'à présent dans la Santeria cubaine, Oshun sont gros coquin chaîne esprit lié que yo vénéré, que yo adoré. Noir qui sorti en Afrique yo cal tombé au Brésil, yo adoré même esprit a sur le nom de Jemanja. Jusqu'à présent au Brésil le 8 décembre, c'est gros coquin cérémonie qui fait devant la main. Tout le monde a venu avec fleurs. Il a plagué dans la main. Il a adoré cette divinité de la mer que y aurait les Jemanja. C'est même esprit. Hein? Et donc, en Afrique, il a adoré le temps qu'on a mis Wata. Au Cuba, ça cale Cuba, qui est le nom Oshun. Ça cale au Brésil, qui est le nom de Jemanja. Ça qui, en Haïti même, y a venu qui est le nom Ezuli. Et demain soir, quand il y a ma, le, dans pas de semaine, je vais entrer dans tout détail avec vous. Vous allez comprendre que ça a son esprit qui est très présent dans l'histoire d'Haïti. Et il fut un temps, tout pays d'Haïti était dédié à l'esprit ça. Avant palais à t'écraser, premier palais nous t'a gagné,
par le premier palais nous t'ai en Haïti avant t'écraser yo te relé pour me faire prier dans palais l'homme fait prier dans palais à montrer moi un gros plat et bien qui montrait pays d'Haïti qui dédié à esprit ça. Donc pendant semaine là non ti j'entrer dans plus la détail non. Donc même esprit en d'autres termes esprit Jézabel là c'est lui qu'esprit Azulia. Et la Bible dit comme ça dans l'église primitive li joine moyen li entrer et puis la prophétiser en dans l'église là. Maintenant, m'bon yon arrière-plan pour qu'a commencer comprendre demain soir m'va l'entrer kounya dans verset biblique yo même devle bon yon arrière-plan historique pour capable comprendre. Mais ben moi terminer avec témoignage ça. Enseignement ou même commencer faire à soi là quelques années de cela, à peu près peut-être 5 ans de cela, m'ta prêché au Cap et puis m'ta senti nécessité pour m'ta faire une ou bien deux messages sous question esprit Jézabel. Mais l'homme entré au Cap m'joignon parler en pile dans ville là ça le gagner son servant et bon peut-être en pile là nous connaît sur Alta d'Haïti en pile là nous connaît là gamin qui connaît sur Alta d'Haïti là ouais bon paquet mon gamin c'est lui même qui t'a invité mal prêcher pour lui première fois au Cap. Et puis l'homme qui vient dans Bouyara, qui Bouyara que lié, il gagne un neveu Marine qui disparaît depuis 3 jours, yo Bawel. Et il disparaît depuis 3 jours, yo Bawel. Allez la police, cherchez tout côté, allez la police, faites vous pas, yo pas connaît, etc. Moi-même, m'a pas entré dans au Cap, dans jeudi, m'a prêté dans au Cap, dans mercredi. En mercredi, monsieur disparaît depuis samedi, il reparaît le mardi. Il disparaît depuis samedi, il reparaît le mardi. Le monsieur reparaît le mardi, il reparaît, il rentre à la caille, pipi sous lit, matière fécale sous lit et puis bébé. Yo fait 3 jours à Bawel, l'elle retourne la caille, yo joigne li wa pipi sous lit, wa tè sous lit et puis le bébé. Koun ya son groupe de prière, yo commencé faire et puis prier pour monsieur et puis pour monsieur capable parler. Après yo fin prier pour monsieur 10 heures. Et puis qu'on y a monsieur commencé à parler. L'heure commencé à parler, qui ça le dit? Il dit samedi après-midi, li brale non réunion la jeunesse et puis la tonne camionnette devant yon on l'église non zone que les Sainte-Philomène. Li Sainte-Philomène la tonne camionnette pour la côté le brale. Il dit pendant devant ce siffle la tente camionnette, c'est senti yon main bouché gel. Yon main bouché gel. Et puis moun dit devinez qui est. Mais monsieur dit qu'on ça rete l'a regarder, il dit mais m pa gen moun konnen nan zone ça, qui moun li ta doye? Qui moun li ta doye? Il dit pendant l'a deviner comme ça, c'est garder le moun nan gatan, passer devant et puis il vinn camper devant et puis longer la main balé. Et puis il dit monsieur, c'est vous même qui voulez me chercher là rue. Oui? C'est vous même qui voulez me chercher. Oui? Monsieur dit l'anik ba monsieur à la main. Bay li ba monsieur à la main. Même côté là, li garder le wel ganton l'autre place. L'anik ba la main, li retrouver en bas yon badji, en bas yon péristyle. Le retrouver en bas péristyle là, li dit premier bagaille qui frappe. Il trouvait non l'autre trouvait premier bagage qui frappait il dit l'elle que trouvait dans babadia c'est que le gardien lui côté lié a li gardé li wè gayon prison li dit le gardé lui en prison li en prison et puis gen plusieurs cellules
Et puis, li gade loué moun ki nan prison, et puis loué date ki poko rive. Chaque cellule yo gen date ki poko rive. Mais loué moun nan prison yo. Mais il dit ça qui frappe, c'est que moun nan prison loué yo, c'est moun l'habitué oué nan la rue capable marcher. Mais l'el rive kote l rive aloué moun sa yo non prison, et puis yo gen date ki poko rive. Ça veut dire comme on a marché, yo prend nan nan longtemps. C'est funérailles y attend. Nous devons chanter de messages qui est les prisons spirituelles. Monsieur dit ça, c'est premier bagage qui attire attention. Il dit pendant la marché et puis il tendait gon moun andan qui dit nous bral diviser monsieur. Nous bral diviser monsieur. Il dit yo fait l'entrée dans chambre. Yo font cérémonie avec un coq noir. Li dit là yo fin faire cérémonie hein, avec un coq noir hein? Et puis il dit comme ça, li déplacé. Là yo dit en aller et puis déplacé parce que monsieur qui t'avait là dit monsieur qui te dit bal la main qui dit c'est où viens chercher, li dit monsieur déplacé. Li dit monsieur déplacé. By the way, monsieur qui te demande pour le déplacer, il demande monsieur qui non. Monsieur dit, m'rele Legba. Il dit, mon connaît le Mleba, m'rele Legba. Donc, esprit Legba, c'est esprit qui a accès au monde invisible. Donc, cela veut dire, yeux monsieur, du moment qu'il est avec esprit, ça veut dire, et yeux physiques li ouvert, et yeux spirituels li ouvert. C'est ça qui fait le kawé prison, le kawé datio, le kawé tout bagay, etc. Il dit, le gars de l'ouè, de lui-même. Li ont lui-même qui couchait. Et puis on l'autre lui-même cap marcher cap suivre monsieur. Li dit un moment pendant l'a suivre monsieur ya. C'est garder l'a suivre li wel retrouver non l'autre place qu'on ya. Mais pour raison pour l'autre, li connaît côté lié ya, li connaît sans bas de l'olier. Mais s'il rive au côté en li connaît sans bas de l'olier, mais le trouver dans yon l'église. Li dit tout en dedans dans yon l'église et ça c'est pas moi qui ba témoin bon c'est pas moi son témoin là chité ba en public plusieurs fois m'enregistré donc m'a bon détail aux gens là. Li dit il trouvait yon l'église qui semblait yon l'église catholique. Li gen toute apparence yon l'église catholique, li gen hôtel yon l'église catholique mais il remarquait que gagnait sang sur hôtel là. Et puis li dit li campé. Et puis il gardait le voyant femme qui paraît. Une belle femme grimelle. Cheveux battent sous dol. Moitié femme, moitié poisson. Et puis il dit monsieur, est-ce qu'on connaît comment me reler? Et il dit m'pa connaît. Il dit pas connaît, non non il dit m'pa connaît. Li dit c'est moi yorele la reine des eaux. Mais elle dit qu'on sa vrai nom et le monsieur dit bagala dans témoignage là parce que le débat témoignage là live au cap nan jeudi m'te fin prêcher nan dimanche m'kwè monsieur ba témoignage le monsieur ba témoignage là nan au cap ville la secoué parce que ça n'ta di moun yo soudainement yon moun sa à peine rivé et puis ba exactement témoignage là li dit dame li wè dame nan dit qu'on sa yorele la reine des eaux. Mais en pile, mon rele la reine des hommes ne dit pas vrai nom ça. Il dit vrai nom c'est Mami Wata. Et puis Kounia, il dit monsieur, moi fort descendre là parce que mon travail pour. Et puis il va monsieur un morceau papier avec liste trois noms moun. Il dit trois moun ça yo, c'est moun m'a cherché longtemps, m'ba jamais ka joindre. Donc on fort vin là pour ban moun ça yo. M'bral voyo pour aller derrière moun sa yo. Et puis il dit comme ça que monsieur li ba trois non yo et puis il explique détail chaque moun sa yo etc. Et puis après le fin ba mission hein, li voye monsieur aller. C'est garder monsieur garder loin, li retourner en badji encore et puis c'est garder loin non l'autre moment li trouver dans la rue au cap encore. Kounya li dit là la marche dans la rue au cap avec l'autre monsieur là qui relè Legba, la machavel, li dit l'ouè moun,
Et puis la BCI relè, la brelè. Li dit relè à toute force, li, mais yon pas tendel. Ça veut dire le gant en zombie longtemps. Il dit la marche dans la rue, li, ouais, moun kap marche, la brelè à toute force, li, mais yon pas tendel. Et puis il dit comme ça, là, la première adresse là. Li dit, première adresse là, Léa, esprit a, bas l'adresse là. Esprit gen des oies, mami wata, bas adresse là, etc. etc. Li dit, là, lè. Et puis lè, là, paret n'adresse pour la chercher, car là, gade adresse là. Li gade l'ouè son terrain vide qui là. Hey, la moué! Bon, pose une question. Est-ce qu'on pense que l'esprit, ça a son héros, elle fait, au lieu de bon adresse, il a mauvais adresse, et puis il vient de terrain vide. Ça veut dire, depuis qu'elle apparaît, l'éternel fait caille, monsieur, avec toute sa possédée, disparaître. Ou qu'on combien de fois l'éternel fait caille ou disparaître? Ou qu'on combien de fois elle fait machine ou disparaître? Ou qu'on combien de fois elle fait petit ou disparaître? Ou qu'on combien de fois elle fait disparaître devant mes champs? Levez-moi la digo! C'est ça que fait les yeux loup garou pas fâché. Les yeux tout gain point pas fâché. Les yeux tout c'est diable pas fâché. Les yeux tout mystique pas fâché. Les yeux tout pas pour tout pas fâché. Ça veut dire yo t'a essayé fond bagaille côté yo t'a tant noir. Les yeux t'a tant noir. Dans moment yo t'a tant noir. Dans chaise yo t'a tant bouchita et puis l'éternel faut disparaître. Le démon elle dit gloire. Les conseils ont bon toute qualité de nom. Ils ont tout mis à prêcher l'évangile. Ils ont pas comme ça, comme ça. Alléluia. Parce que l'évangile l'éternel. L'on a prié là. On a prié une heure de temps. On a prié en d'autres langues. C'est mon Dieu seulement qui connaît ça qui a passé. Si vous le volez, vous le volez avec vous. Si vous le courez, vous le courez avec vous. Si vous le disparaissez, vous le disparaissez avec vous. Levez-moi et dites gloire. Dites gloire. Dites gloire. Dites gloire. Dites gloire. Nous déclarons après 40 jours ça, tout mal fait tête d'ailleurs, c'est pour disparaître devant vous. Tout diable racial qui d'ailleurs, c'est pour disparaître d'ailleurs. Tout diable habitation qui a marché d'ailleurs, c'est pour disparaître. Tout le monde qui a d'ailleurs avec revolver pour l'officier, c'est pour disparaître. Sous quoi ça dit gloire? Hey. L'éternel fait salver. Ou t'en es samam tout là, l'éternel fait salve. L'éternel fait salve. L'éternel fait salve. Li agit j'enlevé. L'éternel compte comment pour gérer malfaiteur. Est-ce qu'on t'en est samam tout là? Li ka disparaître avec. Non seulement ka disparaître avant, si l'idée dit tout le ka fout tout non lion. Al ka fout tout non lion. T'en es samam tout là? Li ka fout tout non lion. Les cafons, ma retourne sous témoignage ça, ou même songe, l'aime de fête vin Miami, à peu près 15 ans de cela. T'es gagné un gros, t'es gagné un gros palais, et pas bon ici. Yon baga qui te fait, t'es gagné un maestro dans l'église de Dieu, pasteur Germain, ou bien Bakon, t'as dirigé, etc. Église de Dieu, côté pasteur Germain, on est les mal là, laissez-moi de fête vin Miami, et puis m'étais dans l'histoire ça. Yon maestro choral, et puis yon homme, posté yon côté pour l'alphysiel. Li poste ton côté pour l'alphysiel. Li compte qui le maestro fin faire répétition. Qui le maestro a fini. Qui le maestro. Qui côté maestro balbate. Li poste yon côté. Et bien pour le physique, monsieur. Li campé. Li connaît monsieur toujours marché. Et puis il vire à gauche. Vire à gauche. Et puis il prend monsieur. Li ouais monsieur cap quitté. Li ouais c'est monsieur quitté l'église là. Et puis li gardant fini là le poste quoi. Li ouais monsieur coûté sous débile. Et puis qu'on y a l'el campé dans coin. Hein, pour al tirer monsieur vire coin li wè son lion qui vient sous lui. C'est pour l'éternel faut tourner lion. C'est pour l'éternel faut tourner lion devant Baka. C'est pour l'éternel faut tourner lion devant vagabond. C'est pour l'éternel faut tourner lion devant malfaiteur. C'est pour l'éternel faut tourner lion devant. Levez-moi à la dit gloire. Dis gloire. Dis gloire. Dis gloire. Dis gloire!
Et ça fait nous qu'on s'agarde puis qu'on fâche. Là où on voit toute qualité de non, tout pas pour tout, etc. Des pour nous qu'on s'en pas simple, des pour nous pas pour tout. Des fois ça veut dire qu'on a qualité, c'est qu'on a qualité, elle était mal virée pour lui. Pendant que tu as dormi, pendant que tu as reposé, pendant que tu as adoré, pendant que tu es dans 40 jours, pendant que tu as pompé, pendant que tu as dansé, bon bagage qui t'essaye pas bien pour eux. Je songe mon père spirituel, une fois la parler avec moi. Et puis il dit comme ça, l'église là, et puis gon dame qui paraît, je ne vais pas dire son servante, gon dame qui paraît, et puis il dit, passe, je ne pas connais moins passé. Moi-même, gon baga qui trouble, je passe dit qui ça trouble. Il dit comme ça, je ne pas comprendre, trouble, gon baga qui trouble, je garde m'ta font prière pour vous. Et puis, chaque temps je fais prière, moi son coulève qui paraît devant. Donc, je ne pas connais soit réglé, je ne pas connais soit fait, chaque temps je prie, moi son coulève qui paraît. Ça dépend de qui prie, on t'a fait. Parce que Moïse te coulève pas là que manger, coulève magicien. Ça dépend de qui invocation t'a fait. Ça dépend de son tapis. Aïe. L'éternel gavot prend toute forme, les gavot trop prend. Aïe. C'est ça que fait les mouns ou ça ou l'ouga ou pas occupé. Ça veut dire qu'on bagaille, c'est. Bam retourner dans l'histoire, ti élément au cap là. Yo gade yo joine kaila vide. Yo joine terrain en vide. En d'autres termes, l'Éternel fait monsieur disparaître avec tout. Moun sa disparaître avec tout ça le possède. Donc yo joine terrain en vide. Deuxième côté aller là. Il y a l'an deuxième adresse qu'on a, il y a l'an deuxième adresse là. Ça veut dire lui-même et puis esprit lek bab guide. Il dit là, deuxième adresse. Le lendemain, deuxième adresse là, il y a des balles. Instruction. Esprit Mami Wata dit dans deuxième adresse là, il y a tel élément, il y a tel groupe de prière. Il y a rencontré là, tel jour à telle heure. Je crois 3 heures de l'après-midi, je ne sais pas si c'était mercredi, mais tel jour à telle heure. Il dit comme ça, il y a là, et puis c'est là qu'il a rencontré. Donc il a rencontré tel jour à telle heure. Donc il dit, c'est là qu'il a prié en papier bois, mais je suis toujours là. Il dit, l'allée. Cette fois-ci, là, yo est pied bois, yo content, ça veut dire adresse là bon. Yo dit allez en bas pied bois. Yo tan. Rien pas jamais fait, nèg pas jamais paraître, réunion pas paraître, moun pas paraître. Koun ya mes amis, koun ya moi-même m'a dit sûrement nèg ça t'a pas la réunion et puis soudainement dans camionnette qui était machine là prend panne caoutchouc et puis koun ya le fâché, li dit garde yo fait me rater réunion, moi t'ai besoin prier, c'est ça qui fait quelque contrariété, l'arrivo dans la vie. Au lieu fâché, bye bon Dieu gloire. Au lieu fâché, dis béni soit l'Éternel. Au lieu fâché, dis gloire à Dieu. Ou pral prend avion et puis yo tout avion pas bon. Et puis le rété, pas fâché, pas mon Dieu gloire, parce que c'est l'Éternel qui connaît seul. Lorsqu'on chrétien fort content, les contrariétés arrivées, bye mon Dieu gloire. Les plans ont changé, bye mon Dieu gloire. Les bagailles ont changé, bye mon Dieu gloire. Les bagailles ont viré, bye mon Dieu gloire. Parce que quelquefois, mon Dieu viré, bagailles, c'est pour bien. Yo tan yo pa jwenn, ça y deuxième adresse. Là yo pa jwenn dans deuxième adresse, ça pou y aller dans troisième adresse. Là y aller dans troisième adresse, bon ça lui même c'est bon parce que son caille y aller dans adresse là, li pa vide. Yo wè caille là. Donc yo dit yo en forme. Donc monsieur dit quoi ça que l'aller. Mais li dit le rive dans caille là. Il dit, premier bagage qu'on tient, attire attention. Il dit, il remarque, l'œil rive l'a approché près. Esprit l'égba qui t'avait là, l'œil rive près qu'elle a le campé d'elle qui te michale. Il dit, l'égba est derrière, il quitte monsieur montré sous galerie. Esprit a te balion prière. Il te dit comme ça, ou a répété prière 3 fois. De pour fin répéter prière, moun nan supposé sortir vinn jwenn.
Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire une prière mystique que l'a fait dans le monde invisible. Parce que nous ne sommes pas dans le monde visible, là, non, dans le monde invisible. Il rentre sous galerie pour le fond prière mystique. Moun qui a fait une journée, ce n'est pas un corps. Ce n'est pas quoi moun qui a fait une journée, c'est non moun qui a fait une journée. Il dit quoi ça, il fait prier. Il y a balle prière, esprit a balle prière, esprit mami wata, reine des oies, il balle prière, et puis il doit faire prier ça trois fois. Et puis, pour le venir. Mais il dit, sous gadoé, ou fait trois fois, ou elle pas venir, pas mettre du temps, il pas jamais venir encore. Donc, monsieur dit comme ça, il fait prier en première fois, baramba. Monsieur te baille prière en public. M'blie ça, mais nous enregistrer sous vidéo. Li baille, on prière, on long, on non long. Li baille, on prière, on non long, on bagaille drôle. Et puis, Monsieur dit, dit en première fois. Dit, les gars, le Dieu fait que sorti dans la pao. Monsieur dit, le gars, elle comprend pour qui ça l'aide, batterie, t'es derrière, elle qui t'es l'allée. Monsieur dit, il passe la deuxième fois, tu fais à pau. Il passe la troisième fois, tu fais à pire, tu les pires, à l'école. Et puis il tourne. De côté le sorti, il tourne avec esprit dans Badjia. De Badjia, il retourne encore dans en bas de l'eau côté le TIA. L'église côté le TIA, il retourne dans la question, dans la même place l'église là. Et puis esprit m'a mis wata. Vini. Li di kote moun yo, moun bagan de vo yo fè a, est-ce qu'on fè? Li monsieur di première adresse là, premier côté a pa gen kay sou li. Deuxième côté a moun yo pa jam vini. Troisième nan, lèm fè vocation, kay la sorti bouleboulé nou. Donc li nan bagay yo pa mache. Déclarer quel que soit sa diable la fè, le bagay yo a mache. Je dis, quel que soit ça, j'aime la faire, le baguette doit marcher. Quel que soit, j'aime passer, le baguette doit marcher. Quel que soit, anglifère, le baguette doit marcher. Si vous comprenez ça, dis gloire. Kounia, esprit a dit, monsieur, est-ce qu'on essaye plusieurs fois? Kaisa. Ou t'as les bagages du fait. Est-ce qu'on t'a essayé plusieurs fois? Il dit oui, je t'ai essayé plusieurs fois, mais ça va marcher. Jusqu'à trois fois, j'en ai dit non, mais ça va marcher. Et puis il dit, esprit a dit, esprit mami wata, dit, si vous avez un succès, nous avons un beau boy ici, mais étant donné que pas un succès, nous avons sacrifié. Monsieur dit, c'est gardez-le, ouais. Yon paquet moun vini avec gros robe ou konwe avec un série de gros robe en rouge et noir, en bleu comme relé, etc. On série de gros robe et puis manchette nan men. Et puis yon pren monsieur, yon metel sous hôtel, li te wèk te gen sans souli. Monsieur dit le coucher sous hôtel là, la ville passait devant. Les monsieur n'étaient pas là même, n'étaient qu'à 24 ou bien 25 ans. N'étaient pas là avec famille. Famille dit, c'est un élément extrêmement intelligent. Monsieur, c'est agronome. Mais bien que monsieur, c'est agronome, il bâtit un caille pour contre lui. Il fait plein. Après le film fait plein, il met des blocs, il fait fondation, il fait bloc, il met des ciments, il met des portes, il met des bagages. Lui même pour contre lui, il agronome, mais pour contre lui, il bâtit, il fait un travail, un ingénieur, travail maçon, travail charpentier, travail tout le monde. Depuis dans plein, il fait tout le bagage. Dernier grain de porte, il met le bougon. Élément extrêmement brillant, extrêmement intelligent. Il dit, pendant ce hôtel là, la ville a passé devant. L'a dit, pour Jean me faire effort, pour me faire un bagage dans la vie, Jean me bat bête, Jean me bat nuit, Jean me travaille dur, Jean me fait journée sans manger, pour me faire un monde. Et puis à 24 ans, c'est comme ça pour la vie m'a passé. Monsieur dit que ça bagage là, non?
bagala en pensel parce que l'ouel va mourir l'ouel sans yo là l'ouel va mourir et puis il dit pendant tout 3 jours ça yo parce que monsieur c'était non réunion de jeunesse c'était à braler l'église il dit pendant tout 3 jours ça yo le nom de Jésus pas jamais passé dans tête mais il dit pendant sous hôtel là et puis soudainement il pas même dit le nom de Jésus aïe 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 il dit pendant sous hôtel là il pas même dit le nom de Jésus levez-moi elle dit Jésus il pas même dit le nom de Jésus. Lui seulement pensait, lui pensait pendant 3 jours pas de penser Jésus, lui dit pour la première fois, lui pensait le nom de Jésus. Lui seulement pensait le nom de Jésus. Lui dit qu'on s'agadelle, lui pas même 30 secondes plus tard, là il pensait le nom de Jésus. C'est gadel soudainement, lui un monde descend, un ange descend avec une manchette dans main en bas. Yon moun descend rayonnant avec yon manchette. Et puis la voix écoute manchette. Et puis yon bataille fait en bas. Li dit pendant bataille la fait en bas. Et puis moun a viré le fait 2 coups de manchette sous lui. Fap. Le moun a fait coup de manchette là. Li pensait que moun a fait tuer le balche. Li saisit. Et puis c'est gade l'oué. Ouais. Kote qui te la main la pété. Kote qui te la pied la pété. Pap. C'est pour l'éternel voye coup de manchette pour. C'est pour l'éternel, vous écoutez ma chère pour. Quel que soit côté mari ou mari, quel que soit côté petit ou mari, quel que soit côté cousin ou mari, quel que soit côté frère ou mari, quel que soit côté lendemain ou mari, c'est pour l'éternel, vous écoutez ma chère pour. Au nom de Jésus. Il dit, mon avoué, il faut chier pour moi, mon avoué, deux coups de marché, pap. Et puis, mon avoué, continue à goûter. Quand tu l'as coumé, il dit Couline a fait du feu. Il a coumé. Il dit lui-même, malgré chaîne de fin pété, il dit tellement ouais, goumé qu'on y a l'abgade belle bague, l'abgade belle goumé pour lui passer son film l'abgade. Il dit il était l'abgade goumé, l'abgade belle coup de manche, l'abgade belle coup de pé, l'abgade coup cap coupé, l'abgade douet cap coupé, pied cap coupé, etc. Et puis pendant l'abgade, il dit mon naviré, et puis il est toujours là. Et puis il dit fap, il saute. Il dit saute, attendez oui, saute. Il reconnaît lui, il y a un monde qui compte les grandes rivières du Nord. Il reconnaît lui. Dans la grande rivière du Nord, devant rivière. Lui reconnaît lui devant grande rivière du Nord. Lui pipi sous lui, lui ouate sous lui, et puis le bébé. L'aile rive dans la rue Kounia. Dans la rue, et puis la fait signe, taxi a demandé le côté le bralé, il n'y a pas qu'à parler, il senti, il y a un pipi sous lui, il y a un water sous lui, il n'y a pas qu'à parler, il y a des gens qui paient, qui courent. C'est un taxi qui est d'accord campé, le taxi a d'accord campé, il écrit adresse li, côté adresse li. Et puis l'elle rive la cali, il rive, pipi sous lui, water sous lui, bébé. Aïe, aïe, aïe. Li pas dit le nom de Jésus, non. Li seulement pensé. Quel que soit ce dia, bam Jésus m'tade. C'est ça que fait l'or sous chair. Pas prêcher Victor Hugo, pas prêcher Corneille, pas prêcher littérature, pas prêcher bam Jésus. Là, les forces ou dit Jésus. Jésus.
Tu cherches. Tu cherches. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom. Le nom de Jésus, précieux. Attendez, nous allons prier, attendez, nous allons prier, attendez, nous allons prier. Attendez, nous allons prier. Seul monde qui t'a qu'à délivrer ce nom ça, en bas griffe, Jézabel. En bas griffe, Mami Wata. En bas griffe, la reine des eaux. En bas rive, esprit diabolique. C'était Jésus de Nazareth. Quel que soit côté à tandem dans la communauté haïtienne, quel que soit côté à tandem dans LNTV, sur Facebook, sur Radio Shekinah, sur application, gardez, pas quitter diable à fort qu'on est, ou rivez trop loin, pas quitter diable à fort qu'on est, pas d'espoir pour vous, pas quitter diable à fort qu'on est, sous converti, la casse court, ou fatigué, mon père, l'immatirisé, mon père, li manger petit tout, mon père, li manger l'argent, mon père, li soufflete, mon père, li faut faire toute qualité d'accident, mon père, ou fatigué, a fait cérémonie, a fait manger, a fait bagaille, qui pas utile ou rien, mon père, mais qui t'aime tout comme ça, qui t'aime tout, tout ça diable abdou là, c'est menti, c'est menti, c'est menti, alléluia, c'est menti, là-bas où, pour parler Jésus, lui connaît une puissance dans le nom de Jésus, lui connaît une délivrance dans le nom de Jésus, lui connaît une liberté dans le nom de Jésus, lui connaît un salut dans le nom de Jésus. Jouez les Jésus. Toute chaîne dans la vie va péter et le pape qui a autorité dans la vie encore. Jouez le nom de Jésus. Toute chaîne a pété. Il n'a pas de autorité dans la vie ou encore. Élément ça, il t'a pris dans la réunion jeunesse. Et au compte ce jour-là, ça t'a pris le fait. Il t'a pris le prêcher. Et puis pour le diable, il a un moyen de kidnapper. Il a kidnappé. Et puis je commence à poser question, mais comment ennemi a fait gain autant de droits sur un homme qui brûle prêcher? Et puis je commence à demander famille, est-ce que monsieur c'est un vagabond? Est-ce qu'il a des ordres? Est-ce que toujours dans la femme? Bon, il dit, la vie est un monde privé, mais autant que nous connaissons, monsieur c'est un monde exemplaire. Il a une bonne vie. Il a posé question, etc. Finalement, je commence à prier dans le cœur, m'a dit Seigneur, mais montrez-moi qui s'allie et puis me posez une question. Il me dit, monsieur, qui l'a converti? Il dit, mais bon, moi, je me fais dans la famille chrétienne. Oui, il me dit, je comprends ce que je dis, qui l'a converti? Il dit, là, je me fais, etc., dans l'église, moi, et après ça, je vais à l'école du dimanche. Et puis, de l'école du dimanche, je m'entraîne à la chorale. Il dit, de chorale, je m'entraîne dans la jeunesse. De la jeunesse, je commence à faire une petite méditation et puis je prêche. Même dit, qui l'a converti? Les dîmes de la jeunesse, qu'on a commencé à prêcher l'église là, même dit qu'il l'a converti. Les dîmes de l'église là, qu'on a commencé à aller différentes, l'autre église, d'église en église, mais après, même dit qu'il l'a converti. Et puis, monsieur, pas qu'à songer. Il n'est pas qu'à connaître qui joue le bail, Jésus là. Il me dit, c'est exactement le problème dans ça. Vous faites toute vie ou l'église. Vous prêchez, c'est vrai, mais mon pas jamais un moment où tu es bail Jésus la vie. Donc, malgré ou prêcher, ou dans différentes églises, ou dans la jeunesse, ou dans la chorale, malgré même une conduite exemplaire, ennemi en prend l'élève. Parce que par un moment où tu prends une décision personnelle pour bah, Jésus là, vous me dites, monsieur, moi-même, tout me lever dans la famille chrétienne. Mais à 14 ans, je prends une décision personnelle moi, pour me servir bon Dieu. C'est pas bon Dieu maman, mais bon Dieu papa. Non, c'est bon Dieu papa. Il dit, monsieur, faut prendre une décision. Et bien, ce jour-là, je prie avec monsieur. Je prie avec monsieur dans le chambre hôtel, mon joli, côté de Devine Web.
prié avec elle pour l'accepter Jésus comme sauveur personnel. Et me dit ouais, radie ce qu'il fait là pour jusqu'à ce que Jésus vienne. Il va qu'elle doit jamais fait encore. Il va qu'elle doit jamais fait encore parce qu'on y a appartenu avec Jésus de Nazareth. Shekinah app, téléchargez-le kounya. Chers amis, moi gagne bonne nouvelle pour nous. En pile dans nous, te fait nous connaît. Eh bien que application Shekinah gagne quelquefois li konn camper sous nous. Les prières a plus à marcher dans sans nous, eh bien c'est laisse ça application apaiser frein. Eh bien, j'ai bonne nouvelle pour vous, ça finit. Nous résoudre problème ça. Nous gagnons une nouvelle version application Shekinah. Eh bien, qu'on y a l'eau, mettez-le on, l'eau commence à l'aller sans arrêter. C'est vous-même qui boutez que frère. Donc, nous encourageons, eh bien, pour download, eh bien, nouvelle version application Shekinah ça. Tout à l'heure, nous allons dire comment on est capable de faire. Deuxième bagage qui fait nous content encore, eh bien, c'est que dans la nouvelle version application Shekinah ça, nous avons une opportunité, eh bien, pour capable voyer requête de prière pour nous directement en application. Ça veut dire pas besoin sur Facebook ou pas besoin sur l'autre moyen pour voyer pour nous directement en dans application Shekinah. Pas seulement cliquer yon côté où est marqué prayer, eh bien, vous êtes capable de voir une requête de prière, nous-mêmes nous recevoir et puis nous prier pour vous pendant 40 jours et pendant show que nous gagnons sur radio. Donc, comment vous êtes capable de faire ça? Vous êtes capable de faire update ça très facile. Gain, premièrement, gardez dans le téléphone pour essayer de faire automatiquement. Parce que vous êtes capable de tout faire automatiquement. Mais si update là pour que vous faites automatiquement, vous êtes capable d'aller eh bien, dans Google Play, taper Shekinah.fm. 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 Et puis, vous êtes capable de regarder l'image, l'application apparaît, et puis cliquez sur Update. Et bien, vous êtes capable de faire mise à jour ça, qui permet d'avoir accès avec toute belle bagaille ça que nous avons à peine mentionné là. Donc, ou même qui est sous Apple ou qui est dans l'App Store, et puis tapez Shekinah.fm et puis cliquez Update. Mes amis, Kounia, c'est net à aller. C'est blaïkor dans le Seigneur, dia dans le Seigneur, pas de camper. Pas de freiner, si vous pour freiner, c'est vous pour te freiner. Que bon Dieu bénisse. Ma vraie nous sous Shekinah. Shekinah app, téléchargez-le, kounya.